Depuis quelques semaines, plusieurs personnalités participent à une version célébrité de Dayland, M6, avec Mike Horn. Parmi les stars au casting, les téléspectateurs peuvent retrouver Camille Serre, Amaury Levaux, Brahim Zeba, Priscilla, Ella accent circonflexe à accent circonflexe M, Stomy Buxin ou encore Louisie Joseph. Si la plupart sont connus sous leur vrai nom, d'autres utilisent des pseudonymes. Découvrez leur véritable identité. À lire aussi Kim Glow, Les Anges Neufs, Quitter l'aventure, Les vraies raisons dévoilées, Alizé dévoile, enfin, le visage de sa fille, Amélie est vraiment son sosie. C'est un vrai format d'aventure sans survie, c'est un vrai format d'aventure sans survie Cash Island, Benjamin Castaldi, c'est un vrai format d'aventure, sans survie. Elle a accent circonflexe à accent circonflexe M, connue pour sa reprise du titre chanté pour ceux de Michel Berger, s'appelle en réalité Lamia. Son nom de star se rapproche donc fortement de son prénom à l'état civil. Même esprit pour Louisie Joseph. L'ex-membre des L5, groupe formé par les gagnantes de la toute première édition de l'émission Popstar, se prénomme Lily. Quant à Louisie Joseph, il s'agit tout simplement de son nom de famille. Du côté de Stomy Buxy, c'est différent. Le rappeur, qui a fait carrière au sein du groupe Ministère MER, est connu par ses proches sous le nom de Gilles Duarte. Tout au long de sa carrière, l'interprète du morceau Mon Papa à moi, est un gangster à changer de nom de scène, passant de Stomy B à Stomy Buxy.